Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour découvrir la gamme Playmobil de la police sortie en 2021 dans la collection City Action. Ces 8 boîtes viennent remplacer en partie la gamme de 2016. Je vous présente tout cela et je commence avec le 770573, le policier en vélo qui pourchasse le voleur au prix de 14,90€. Dans la boîte 70572, c'est cette fois-ci un policier à moto qui poursuit une voleuse pour 15,90€. On sort maintenant le super robot articulé de la police, référence 70571, vendu 24,90€. On fonce avec les cartes du bandit et du policier dans le 770577 au prix de 24,90€. La boîte 70570 contient une voiture et un voleur à moto et se trouve à 29,90€. On prend l'air avec l'hélicoptère de police et le parachutiste sous la référence 70569 vendu à 29,90€. Voici maintenant la prison 70568 avec un prisonnier prêt à s'échapper. L'article se trouve à 49,90€. Et enfin, on termine avec le 770575, le camion de bandit affiché au même prix de 49,90€. Voilà qui nous fait donc un total d'environ 240€, ce qui représente tout de même une somme importante pour un complément de gamme. Passons au montage avant de revenir là-dessus et je commence bien évidemment par le bâtiment. Il s'agit d'une toute petite prison en système X qui est clairement beaucoup plus simple que le commissariat 6919 du thème de 2016. Je vous rappelle d'ailleurs que vous trouverez sur ma chaîne la vidéo d'unboxing de cette gamme de 2016 pour vous faire une petite idée. Ce thème-ci ne vient pas le remplacer, du moins pas entièrement, puisque certains sets comme le commissariat justement ont survécu dans le catalogue. Ce n'est pas une nouvelle façon de faire de Playmobil, mais c'est vrai que cela faisait maintenant plusieurs années que les gammes étaient entièrement renouvelées plutôt que retravaillées. C'est un peu un retour aux sources. Après concrètement, cette nouvelle gamme de 2021 tourne autour d'une idée, la course-poursuite. En effet, dans chaque set, on trouve la police et les bandits. À chaque fois, un policier qui va pourchasser un voleur en utilisant différents véhicule. C'est un choix assez intéressant car c'est vrai que l'on manquait jusque-là de bandits Playmobil stylés. Et vous verrez dans cette vidéo qu'on trouve de quoi faire. Bon, sinon, comme vous le voyez, côté bâtiment, on ne peut pas dire que ce soit la folie. Ça reste même très modeste. On compte quand même quelques accessoires, histoire d'équiper un peu les policiers et meubler la cellule. Allez, on passe à la suite et c'est certainement là ma boîte préférée de ce complément de gamme. Il s'agit du camion des bandits. Je trouve l'idée très sympa et d'ailleurs je regrette le fait qu'il n'y ait pas eu de set avec une base pour les méchants. Ça aurait été vraiment super stylé. On aurait pu imaginer des tas de cachettes ou même des pièges. Bref, revenons plutôt à notre fourgon qui est très bien équipé et qui sert en fait de base mobile comme dans les films de bandits. Bon, même s'il est noir pour être un peu plus discret, il est quand même très décoré, donc difficile de passer inaperçu. On trouve en tout cas dans cette boîte plein d'accessoires pour les méchants, comme de la dynamite, des pieds de biche ou des outils pour découper les fenêtres. Bref, on a tout pour réaliser le casse du siècle. Et si ce véhicule vous dit quelque chose, c'est normal, c'est une version recolorée du van utilisée pour la Mystery Machine de Scooby-Doo dans le 770286. Plutôt amusant, non? Bon, moi, ce qui m'amuse moins, c'est cet hélicoptère tout moche. Ah ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé de ce modèle d'hélico Playmo et vraiment, je le trouve toujours aussi ridicule. Je vais finir avec les nombreux accessoires que j'ai déjà évoqués et vraiment, s'il y a une boîte bien conçue dans toute cette gamme, c'est bien celle-ci, avec des petites idées sympas comme les plans d'attaque avant le cambriolage, les diamants volés ou encore le jeu de cartes pour passer le temps avant de passer à l'attaque. Et maintenant, on passe à un véritable hélicoptère. Plus beau, plus grand, plus réaliste. Oui, cet hélico-là, on l'aime. Même s'il a moins d'interactions. Mais ce qu'il y a de sympa dans cette boîte, c'est le grand parachute. Bon, d'accord, attacher les ficelles, c'est pas sympa, mais le concept est assez marrant. On passe à la suite avec un set qui nous emmène carrément en forêt. Une drôle de voiturette pour le policier et une moto pour le bandit. Beaucoup de véhicules en effet dans cette gamme, ce qui est plutôt positif quand il s'agit de mettre en avant l'action. C'est moins positif pour les doigts parce que je trouve qu'assembler les pneus Playmo, c'est toujours un peu galère, voire un peu douloureux. Alors quand il y en a autant à mettre, au bout d'un moment, je vous jure que je commence à en avoir un peu marre. Allez, on cache le butin dans le tronc et on peut essayer d'assembler la moto. Et croyez-moi, là aussi, c'est pas forcément facile de clipser la roue arrière. Vous voyez, j'ai bien galéré. Et on continue encore et encore avec les véhicules à assembler. Et là, pour le coup, c'est deux cartes assez originaux à monter. Ce sont des voitures où l'on assemble quasiment tout, où on ajoute des éléments un peu comme on veut grâce au système X. Ce qui fait effectivement qu'on peut personnaliser ses constructions et même pourquoi pas en faire des machins bizarres. Bah oui, puisque vous pouvez lui attacher n'importe quel élément System X. À vous d'essayer.
Et d'ailleurs, ce ne sont pas des véhicules Playmobil comme les autres, puisqu'ils sont équipés chacun d'un moteur à friction. Qu'est-ce que c'est que ce machin, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, si vous faites rouler vers l'arrière votre voiture et que vous la lâchez, elle va avancer toute seule droit devant comme si elle était propulsée. C'est un bon moyen d'organiser des courses chez vous. Allez, je me lance dans l'assemblage de la voiture du policier qui est très différente de celle du bandit, même si elle part de la même base. Ça signifie aussi que vous pouvez échanger des éléments de l'une et de l'autre pour pouvoir les réassembler comme vous le voulez. Bon, c'est pas du Lego non plus, faut pas rêver, mais l'idée est assez sympa même si ça rend la finition un peu plus bizarre. On a droit ici aussi à quelques accessoires, comme notamment un coffre-fort avec des lingots et des billets, mais j'aurais bien voulu la banque avec, hein. Hop, et maintenant accrochez-vous, c'est parti pour Robocop. Alors, je ne sais pas du tout d'où vient cette idée pour Playmobil d'avoir un robot policier géant. Je dois dire que cette gamme est quand même beaucoup moins réaliste que ce qu'on voit habituellement pour la police. C'est original, c'est surprenant, mais heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie, hein, sinon la police serait bien flippante. Ce robot géant reprend des éléments déjà vus sur le robot Top Agents 70233 sorti en 2019 qui pouvait prendre plusieurs formes. Ce n'est pas le cas de cette version pour la police, mais je la trouve quand même beaucoup plus réussie en termes de design. En revanche, en termes de montage, il y a eu des assemblages assez difficiles qui là aussi m'ont fait mal aux doigts, décidément. Entre les pneus et les articulations du robot, pas toujours facile de monter des Playmo. On continue avec l'attaque du distributeur automatique de billets. Heureusement, un policier à moto veille, prêt à capturer notre petite bandit très stylée, un de mes personnages préférés de la gamme, vous verrez. Et on termine par un petit set avec trois figurines, une sombre histoire de vol de sac à main. On verra tout ça tout à l'heure. Et voilà, notre complément de la gamme de la police est là. En gros, on vire la plupart des boîtes qui datent de 2016, on garde principalement le commissariat, et on remplace ensuite par ces sets où s'affrontent policiers et bandits, plein de courses-poursuites en perspective. L'un des points forts de la gamme, c'est qu'on peut se faire une vraie équipe de méchants, mais on va d'abord faire connaissance avec les policiers. Rien de très original par ici, même si on peut remarquer que bizarrement, on a vraiment plein d'uniformes différents, ce qui donne l'étrange impression qu'ils ne font pas tous partie de la même équipe. On a ceux qui préfèrent les uniformes sobres et légers, parfois même en short. Et puis on a nos 4 casse-cou, les motards, le pilote de kart et le pilote du robot. Eux, ils ont un casque et des protections bien évidemment. Enfin, on a également 2 pilotes d'hélicoptère, et même eux ne sont pas coordonnés. Jetons maintenant un petit coup d'œil au seul bâtiment de cette vague de contenu, la petite prison. Un bâtiment qui, comme son nom l'indique, est surtout constitué d'une cellule de prison, et qui est donc petit. Voilà, c'est vraiment étroit, et c'est d'ailleurs difficile de le considérer comme un bâtiment complet. C'est plutôt un petit agrandissement, même si on ne peut pas directement le relier au commissariat 6919 par exemple. De dos, difficile de se dire d'ailleurs que c'est un bâtiment de police, mais on a devant un écriteau qui l'indique. La porte de la cellule fonctionne comme d'habitude, on retire la serrure, et il suffit ensuite de faire coulisser la grille. Ça ne ferme pas vraiment à clé, mais on est chez Playmobil, hein. Un peu d'imagination, que diable. Sur le côté, on a aussi une ouverture pour faire passer les plats. À l'intérieur, c'est pas un 4 étoiles, mais en même temps, c'est une prison. On trouve 2 lits superposés assez sommaires, ainsi qu'une petite table intégrée et une étagère. Et quand même, notre prisonnier Patrick a un poste de musique pour s'occuper, c'est déjà pas mal. Et comme souvent avec les prisons Playmobil, on a droit à la fenêtre cassable. Le collègue bandit arrive pour s'occuper des barreaux. On appuie un petit coup et ça saute direct. Notre bon vieux patoche n'a plus qu'à lever son derrière et sauter par la fenêtre pour s'enfuir. Et voilà, un prisonnier en cavale. Bon, ne vous inquiétez pas, la fenêtre n'est pas cassée et il est toujours très facile de remettre les barreaux en place après les avoir retirés. Et pas de panique si le prisonnier s'échappe, il y a une alarme et même une caméra que l'on voit au premier plan. À côté des barreaux de la cellule, on trouve quelques étagères et un râtelier où sont rangés divers accessoires. Des fusils, des matraques, des menottes, les clés de la cellule et même une cafetière. Le café, c'est sacré. Et enfin, on a nos outils pour communiquer, notamment avec tous les agents sur le terrain. Allez justement, on va aller sur le terrain et on commence en grimpant à bord de ce drôle de robot policier entièrement articulé. Vous le voyez, on peut bouger les membres supérieurs et les membres inférieurs assez finement, ce qui permet de faire prendre à Robocop plein de positions sympas. Bon, faut quand même faire attention à son équilibre, hein, cette pauvre bête, sinon il va se casser la margoulette. Et croyez-moi, avec ses grandes jambes plutôt fines par rapport à son corps, ce n'est pas toujours si évident de trouver un point d'équilibre. C'est bon Maurice, tu tiens? Alors ça va. Ouf! Le robot est vraiment très grand puisqu'une figurine classique ne lui arrive qu'au genou, et pour l'activer, il faut bien qu'il y ait un pilote. Il se trouve à l'intérieur du cockpit qui fait pile poil la taille qu'il faut pour accueillir un policier équipé. Ensuite, tout se gère avec l'écran. La classe, Maurice.
Le robot dispose de deux mains de trois doigts articulées en forme de pince, ce qui lui permet de tenir des objets en fonction de la façon dont on les positionne. Hop, un petit exemple, le robot a attrapé un bâton de dynamite qu'il va pouvoir balancer. Voilà, on est tranquille. Le doigt du milieu est même équipé d'un crochet de la même taille que les mains des Clickies, ce qui permet d'attraper n'importe quel objet Playmobil de la bonne taille. Et s'il y a un fripon qui nous embête, pas de problème. Le robot policier peut aussi attraper des méchants et les secouer comme un sac à patates pour les calmer. Et s'ils ne comprennent pas, un petit coup de pouet-pouet du bout du pied en métal, ça devrait faire passer le message. Voilà en tout cas un drôle de petit équipement, vraiment original mais pas très réaliste. Ça fait presque ville de super-héros, mais encore une fois, ça a le mérite de changer. En plus, grâce à tous les stickers, le résultat est vraiment joli. Et puis je le trouve marrant moi ce Robocop. Allez, on poursuit avec du plus classique, ce sont les hélicoptères. Deux hélicos de plus pour la police après celui du 76921, et ce qui est bien, c'est qu'au final, les trois versions sont différentes. On va d'abord s'intéresser au petit hélico, ce modèle trop basique apparu en 2004, et comme vous le savez, je ne l'aime pas. Trop enfantin, trop irréaliste, trop moche aussi à mon goût. Bon, on peut toujours faire tourner les hélices et l'accrocher au plafond grâce à l'anneau, mais définitivement, malgré l'effort sur la déco, je n'aime pas. Bon, le côté positif, c'est quand même ce petit lance-missile sur le côté que l'on peut incliner dans la direction souhaitée et qui est ensuite prêt à tirer. Et de l'autre côté, ce n'est pas un lance-missile, mais un lance-grappin. Et oui, avec ça, on peut par exemple attraper la voiture des bandits. Ensuite, il suffit pour l'hélicoptère de tirer et on retient le filou. Voici maintenant l'autre hélicoptère disponible dans cette vague, et aussi bien pour la taille que pour le design, on a quand même affaire à autre chose. Les hélices tournent comme d'habitude, et on trouve là aussi un crochet pour mettre l'hélico au plafond si on veut. Et puis le cockpit est assez grand pour accueillir deux personnages, et il y a une petite poignée pour se tenir sur le côté, comme dans les films d'action. Passons maintenant aux deux petites voitures un peu bizarres. C'est vrai que ça change des habituelles voitures de police. Ce sont des monoplaces, donc si on arrête un bandit, je sais pas trop comment on fait pour le ramener à la prison. On a d'abord cette espèce de buggy assez sympa avec ses roues de taille différente. Mais il n'a pas de volant, je sais pas non plus comment on conduit. Et puis on a aussi ce fameux kart au design un peu plus bricolé. Je vous montre au passage comment fonctionne le moteur à friction. Attention, ça va aller vite. Et le voilà déjà parti. Il nous reste ensuite tous nos deux roues, un vélo, attention à bien porter le casque, ainsi que deux motos, là aussi casque obligatoire. Bon, on a fini avec la police, passons maintenant à ce qu'il y a de mieux, les bandits. Oui, c'est vraiment mieux car déjà, on n'en a pas si souvent dans les différentes boîtes et surtout, ils ont ici des super tenues. Ça fait une sacrée belle équipe de vilains. Je vous présente d'abord Clément, notre addict au café, avec son petit blouson et son talkie. Voici Barnabé, l'as du pistolet, même s'il lui manque un œil. Un petit bandeau, ça fait son effet. Bon, Jean-Eudes, lui, clairement, il a pas fait trop d'efforts sur la tenue. Ah, voilà Martine, ma préférée. Non mais regardez-moi ce look de folie! Les lunettes noires, la casquette en cuir, le blouson clouté, le jean déchiré, la ceinture de traviole, les bottines pour botter les fesses. Martine, c'est définitivement ma championne. Alain, lui, c'est notre expert du parachute avec un casque tête de mort. Josiane, elle, c'est une chippie, mais une chippie coquette et maquillée. Bernardo, c'est le zinzin des explosifs, c'est une figurine avec des jambes plus petites et surtout avec une tenue complètement abîmée par les explosions. Autre spécificité, il a un regard complètement maboule et hypnotisé que je trouve assez marrant. Mais on peut aussi lui rendre un aspect un peu plus classique tout simplement en faisant tourner sa tête. La coupe de cheveux un peu particulière de Bernardo permet de cacher la deuxième tête. C'est malin, mais moi je préfère quand même avec son regard de zinzin. Après, je vous présente Edouard avec son look de village people. La casquette, les lunettes, la grosse barbe et le café, parce que le café, c'est sacré. Gustave a aussi un look qui déchire, surtout grâce à son superbe casque tête de mort très effrayant. C'est vraiment une super idée, et en plus, ils ont même pensé à lui donner des gants assortis. Si ça, c'est pas la classe. Et on n'oublie pas Patrick, le pauvre tout seul dans sa cellule. Ah bah oui, mais bon, fallait pas faire de bêtises, hein. Ou fallait pas se faire attraper. Allez, on continue avec les véhicules et on va commencer par celui que je préfère dans cette vague, c'est le gros fourgon des bandits. Je le rappelle, c'est en fait une recoloration du van de Scooby-Doo que vous avez déjà pu découvrir en unboxing sur ma chaîne. Si vous voulez voir ce véhicule en mode hippie coloré, allez voir ça. Pour le reste, j'aime beaucoup cette version dark et décorée encore une fois avec une tête de mort. C'est un peu le symbole de notre gang. Bon, en revanche, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal pour la discrétion, hein.
Bon, comme toujours, on peut ouvrir par l'avant pour pouvoir glisser les figurines dans les sièges. C'est toujours mieux pour rouler quand il y a un conducteur, hein. Parmi les petits détails sympas, j'aime bien l'emplacement prévu pour les gobelets. C'est parfait pour mettre le café, car le café, c'est sacré, oui. On trouve également une porte qui coulisse sur le côté du fourgon et l'on peut aussi ouvrir les deux portes à l'arrière. Comme ça, on entre ou on sort par où on veut. J'en profite pour vous montrer le petit souci avec l'autocollant de la plaque d'immatriculation qui a malheureusement tendance à se corner tout seul. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un sticker avec revêtement spécial qui change de couleur quand vous le réchauffez tout doucement. Ici, cela permet de dévoiler la plaque d'immatriculation du véhicule. En frottant, ça devient clair d'un coup alors que c'était auparavant tout noir. RO33ER. C'est un jeu de mots. Si on remplace le 33 par deux lettres B, on obtient le mot anglais robber, qui désigne le voleur. C'est un petit clin d'œil amusant que l'on retrouve à l'avant du véhicule, hélas avec le même souci de corne. Bon, pour mieux accéder à l'intérieur du fourgon, il est également possible de retirer le toit. Cela permet de voir tout l'équipement des bandits, pieds de biche, lampes torches, jumelles, découpeurs de vitres ou encore appareils photo et différents appareils. On trouve aussi un emplacement pour mettre en avant les plans. Je trouve ça absolument trop génial. Ici, un itinéraire, certainement pour le prochain coup prévu. Et là, on a carrément le plan d'un bâtiment. On dirait bien une banque, avec les guichets et le coffre-fort. On a déjà tout qui est prévu, j'adore. Et là, le projet en trois étapes. 1. La dynamite. 2. Le coffre-fort. Et 3. À nous le trésor. En face, un siège pour s'asseoir et un ordi où on voit le journal télévisé. Mais attendez, c'est le fourgon qui passe à la télé. Va falloir être discret, hein. On a aussi cette drôle de machine dans le fond qui permet d'authentifier les diamants que l'on vole. Alors, est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est du toc? Et enfin, une grosse bonbonne de N2O. C'est la formule chimique du protoxyde d'azote, connue également sous le nom d'oxyde nitreux, de monoxyde de diazote ou tout simplement gaz hilarant. Et oui, c'est lui. Idéal si on veut faire diversion. Merci Clément pour la visite, mais vraiment, si vous ne voulez pas qu'on vous repère en ville, va falloir penser à changer de déco, hein, même si elle est vraiment ultra stylée. Bon, en attendant le casse, on peut toujours faire une petite partie de cartes, ou bien préparer le matériel comme tous ces explosifs. Pendant ce temps, Micheline promène missile et veut retirer des sous au distributeur, mais soudain, Jean-E débarque de nulle part et il lui pique son sac à main. Le voilà déjà parti, filant comme une fusée avec son butin. Mais ce n'est pas fini, car voici maintenant Martine qui entre en scène et elle est bien décidée à avoir sa part. En utilisant le pied de biche comme levier, il est possible d'ouvrir le distributeur et de piquer tous les billets. Ça fait un petit pactole à ramener au fourgon. Seule déception, il n'y a pas les habituelles cartes bancaires Playmobil dans le set du distributeur, ce qui permet normalement de le faire fonctionner, c'est un peu dommage. Et qui c'est qui arrive au même moment? Bah c'est Gustave à bord de son bolide motorisé. On peut ouvrir l'espèce de cockpit, c'est plus pratique pour s'installer dans le véhicule. C'est encore un monoplace assez étroit et un peu bizarre, je vous l'avoue. Je ne sais pas trop quoi en penser, j'ai du mal à croire qu'on puisse faire des casses à bord de ce genre de voiture ailleurs que dans un film de Batman. Gustave a une longue corde avec un crochet et ce n'est pas pour décorer. Regardez, j'apporte un coffre-fort qui nous vient tout droit de la banque et qui renferme une petite fortune en lingots et en billets. Grâce au crochet, on peut l'attacher bien fermement. Voilà. Et comme pour le kart du policier, celui-ci dispose d'un moteur à friction. Comme ça, on peut le voir partir avec le coffre-fort. C'est parti pour la course-poursuite. Qui va gagner? Les policiers ou les bandits? En sachant qu'on peut aussi freiner la course des voleurs grâce au tapis de clous qui va venir crever les pneus des véhicules et les empêcher de partir. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne crève pas vraiment les pneus des Playmo. On termine avec un dernier véhicule pour les méchants et c'est tout simplement une moto avec de bons amortisseurs. Oui, c'est plutôt une moto de cross, donc ça permet de s'enfuir loin de la ville avec le butin. Et pour les opérations spéciales, on peut envoyer notre parachutiste avec un vrai petit parachute qui ralentit un peu la chute des cliquises. Vraiment un peu, parce qu'il se casse quand même la tête, hein. Voilà, c'est passé vite. Mais c'est l'intention qui compte, hein, l'idée est sympathique. Et ça marche mieux avec une bonne hauteur. Voilà, maintenant on peut ramener les diamants, les billets, les lingots, tout ce qu'on a volé, et on peut sortir le champagne pour fêter ça. Et puis pour ne pas se faire prendre, on peut aussi aller cacher 2-3 affaires en forêt pour les récupérer plus tard. Enfin, attention quand même à pas se faire voler son or par une moufette. Et voilà pour les nouvelles boîtes du thème de la police sorties en 2021. L'idée des courses-poursuites est vraiment très bien et permet pour une fois de créer une vraie équipe de méchants qui ont du style. On trouve vraiment de super figurines. Après, à titre personnel, j'aurais quand même aimé des boîtes réalistes. Le coup du robot par exemple, c'est un peu trop zinzin pour moi. Et je pense aussi qu'on aurait pu avoir plus de bâtiments, par exemple une banque pour les braquages et un repère pour les bandits, comme une usine désaffectée. Eh, vous voyez que j'ai des super idées. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre soutien, c'est très important pour moi. Vous pouvez me soutenir en allant voir mes autres vidéos Playmobil, comme par exemple l'unboxing des autres gammes de la police, ou encore les pompiers, les hôpitaux, tout ça. Et pour m'aider à produire encore plus de contenu
contenu, c'est aussi très important de liker la vidéo, de la partager, de laisser un petit mot dans les commentaires et bien évidemment de vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour encore plus de contenu sur les Playmobil. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !